C'est bien ça, la prochaine fois, je ferai ça un peu mieux. Ok, c'est y part. Alors, je connais pas mes Terra et tout, hein. Alors, attends. Donc, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, vous connaissez pas ma team, mais ça, c'est cool. Allez, il va mettre son goal lane. Ah oui, j'ai protéin, du coup. Oh là là, le protéin. Ouh, ça fait mal. Du coup, là, je peux me faire empoisonner, mais j'ai ficello. Bon, alors, du coup, voilà. Je suis trop content parce que c'est mon premier rematch sur... Regarde, je vais vous montrer le timer. Vous allez voir, il va y avoir marqué qu'il nous reste 60 minutes à jouer. Et juste ça, je suis tellement heureux. Parce que ça veut dire qu'on peut trop kiffer. On peut prendre le temps de jouer et tout. Regardez. Attends, comment je vois ça? Mon timing? Ah non, mais j'ai le temps individuel. Merde, en fait, ça se trouve, je me suis trompé. J'ai mis le temps individuel, je l'ai pas baissé. Oups. Oups. T'as mis le temps individuel à 7 minutes. Ah, ouais, mais c'est pas grave. En vrai, 7 minutes, on a le temps de jouer, non? Je sais pas, en vrai. Oh, c'est quoi cet Amphinobi qui tank les attaques comme un foufou, là? Ça veut dire qu'on peut stall? Oui, mais si tu stalls, je vais quitter le match. Pas de stall. Juste pour, par respect pour les gens, tu vois. Allez, voilà, Amphinobi. Allez, j'ai le demi-tour, du coup. Non, mais je me suis trompé, mais c'est un essai ce soir, c'est un essai. Voyez vraiment ça comme un essai. Allez, du coup, il va mettre son golem. Moi, je vais faire le demi-tour protéin. En vrai, c'est trop stylé. Hein. C'est tellement agréable. Le nombre de max de participants. Ouais, bah oui, ça par contre, je suis désolé. Hein. Ok, c'est quoi son switch-in à... Ta-da-da-da. Ok, mais fort ivoire. Bon, alors j'ai mis, voilà, j'ai mis pire au but, c'est le pire au but du raid. Hein. J'ai fait un set en 2-2. Ça a été un peu dur de se préparer, mais en vrai, je suis trop content quand même, donc ça va. Il est 3h de l'après-midi. Comment ça, il est 3h de l'après-midi? Je pourrais Terra, non? Non, je peux faire Aquabrèche. Hein. De toute façon, s'il met les pièges de rock, j'échange côté, donc je m'en bats un peu les couilles. On peut pas s'inscrire après 21h car le tournoi a commencé. Ah, merde! Ah, putain! Ah là là, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Ah, c'est pour ça que j'avais mis le truc dans le commentaire, mais... Ah, putain, je comprends mieux, ouais. D'accord, excusez-moi, je suis désolé. Aïe, 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 j'ai pas pensé... Je viens de comprendre... Ouais, je suis vraiment désolé. Ah, putain, bah ouais, mais je connais pas encore très très bien hein, les bails, hein, je vous avoue. C'est encore un peu dur pour moi de vous dire les trucs. Je m'excuse. Je m'excuse. Ouais, je suis désolé. Ça, c'est ma faute, c'est moi qui ai mal pensé. Mais c'est un essai pour la prochaine, tu vois. Non, pas... Non, j'ai mis click. J'ai mis click. Gros con. Je voulais pas faire pied voltige, évidemment. Pied voltige sur un Dracolos, c'est une très mauvaise idée en général. Oh oh. Mais ça va, la situation est sous contrôle. Pas du tout, hein. Oh, le débile! Oh, j'ai mis ce clic!
Non. Ok. C'est chaud patate là du coup. T'en fais un vendredi prochain. Ok, j'ai peut-être une chance quand même. Ça va déjà, t'as pas raté. Ouais, bah ouais. Ok, bon, ça va, il a un peu... Est-ce que je terra direct? Alors, il a de l'avance sur moi, mais... En vrai, je pense que je gagne en faisant double vitesse extrême. Je pense que j'ai pas besoin de... Ok, si, j'aurais peut-être dû en fait. En vrai, je sais pas. Tout ton pire à but est plus rapide qu'un... Ton pire au but est plus rapide qu'un Dracolos à plus, hein. Bah, il doit avoir un Dracolos un peu bulky, peut-être. Mais ça veut dire qu'en vrai, je me rassure un peu, hein, je vous avoue. Parce que ça veut dire, du coup, que mon fils Cello va être plus rapide et devrait pouvoir tuer. Ouais, je suis vraiment désolé hein, pour ceux qui peuvent pas participer. Du coup, il y a très très peu de participants. Après, techniquement, il y a 14 participants, donc ça devrait aller, non? Je pense. Ok, j'ai tué sa Terra et j'ai toujours pas Terra, donc ça c'est vraiment bien. On saura pour la prochaine fois. C'est un test. Oui, je suis désolé, j'ai un peu merdé. J'aurais dû y penser, ouais. Mais, au final, on s'en fout des tournois. Le but, c'est... Le kiff, c'est surtout de me voir jouer, non? Le but, c'est surtout de me voir jouer, et vous allez pouvoir me voir jouer, donc ça, c'est... Flop drong. Ouais, je me sens un peu con-con, comme on dit, hein. Il y a des nouveaux terrains. Oui, c'est un nouveau terrain, en plus, c'est vrai, t'as raison. Allez, j'ai mon Azumarill qui normalement est... Ouf. Ok, faut faire des double switch là, il est en train de jouer en mode un peu sérieux là. Heureusement. Je sais aussi plutôt bien jouer aux jeux vidéo. C'est un tournoi compétiteur. C'est pas un tournoi. J'ai mis tournoi dans le titre ou pas? Est-ce que j'ai mis tournoi dans mon titre? Je sais pas si j'ai mis tournoi dans le titre. Hein. Je crois que j'ai mis match console juste, non? J'ai peut-être mis tournoi genre dans un tweet ou je sais pas quoi. Bit en strat qu'on embrasse évidemment, merci d'exister mon grand. C'est quoi mon titre après 3 heures le timer? Match console. Oui c'est ça, match console, c'est ça oui. Vous savez, quand je faisais des matchs à l'époque, je jouais pas contre tant de personnes que ça, hein. Bon, il a un peu de mal, le pauvre, hein. Le problème, c'est qu'il a le casque bru, donc du coup, je peux plus trop tanker, mais bon... En fait, j'ai tellement de marge que je suis quand même bien. Bah, il a déjà perdu 3 Pokémon. Moi, j'en ai encore tellement. Là, il va sûrement devoir faire atterrissage, je pense. Je pourrais mettre les pièges de roc en vrai à ce stade-là, mais bon. Ou je mets Speed Origine. Non, vas-y, je vais mettre Pyrobut. Je veux pas me prendre la tête. Hein. En vrai, le truc, c'est que là, je pourrais essayer de 6-0, mais le but... C'est avant tout de jouer ça sérieusement, tu vois. Ok, c'est bon, il fait atterrissage. Donc là, c'est officiel, normalement, avec ballon brûlant, je mets un kill. Il lui reste Corvaius. Ah non, il a un Ah non, il a 4 Pokémon, excusez-moi.
Alors, qui va... Il va sûrement mettre son lance-saurien, je pense. Non, il met fort... Ah, mais non, il a fort... Débile drong, il a encore fort ivoire. Ok. Ouais, fort ivoire, c'est... Fort ivoire, c'est bulky, hein. Ok, bah on va pouvoir temporiser un peu avec notre propre fort ivoire. La différence avec son fort ivoire et mon fort ivoire, évidemment, je rappelle, c'est que le mien est shiny. Et non, tu peux pas trouver tu peux pas créer un tournoi pour le jour même, c'est pour ça que c'est vraiment chiant. Sinon, j'aurais récréé, hein. Pour fêter ça, petit tournoi sur console. Ah, c'est le tweet où j'ai mis tournoi, d'accord. Bon, l'important, c'est que le titre du stream ne soit pas... Oh, regardez comme il est beau. Il est legit, hein, évidemment. Ouais, sabotage versus sabotage. Il met les pièges de roc. Je sais pas c'est quoi mon set sur ce côte d'or. Je crois que je suis full def. Ah mais j'échange côté, pourquoi je fais tour rapide? Je pourrais lui renvoyer les pièges de roc. J'ai pas pensé. Ah ça fait longtemps que j'ai pas joué un overused, hein. Je m'excuse, hein. Oh j'avais pas vu, regarder les petites textures sur la gueule de fort ivoire, c'est trop stylé en vrai. Oh. Alors à ce moment-là du live, il y a un gros problème qui arrive. Il y a un plantage du logiciel qui me permet de tourner ma Switch. Mais ne vous en faites pas parce que j'ai fait la radio et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé avec des petites illustrations. Alors en gros, il va poser du coup son lance-saurien quand vous avez commencé à le voir. Et du coup, il fait Draco Météor. Je laisse mourir mon fort ivoire parce que j'avais peur qu'il fasse demi-tour sur mon Azumarill et qu'il me fasse beaucoup de dégâts de grade parce que les pièges de roc sont en place. Et hélas, mon fort ivoire va se faire one shot par le Draco Météor. Heureusement, j'ai une réponse. Je vais mettre mon gros magot mouchoir choix. Je sais que je suis plus rapide que lui et je vais faire la Ballombre. Il pose donc son Amphinobi avec lequel il prend très peu de dégâts sur la Ballombre car il est type ténèbres et que je suis pas Choice Specs ou ce genre de truc. Et j'ai un peu peur qu'il soit mouchoir choix également sur son Amphinobi. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de l'affaiblir. Donc je sais qu'il est quand même affaibli. Donc je vais terra cristalliser en type combat mon gros magot. Comme ça, même s'il est plus rapide et qu'il a le mouchoir choix, s'il fait vibre obscur, et ben je vais résister à son vibre obscur. Donc c'est ce qui va se passer. Il est plus rapide que moi, donc il est mouchoir choix également. Il va faire le vibre obscur. Mais comme j'ai terra, il me fait très peu de dégâts. Il survit à la deuxième Ballombre à très très peu de points de vie. Hélas, il va survivre et du coup, il va retirer son Amphinobi parce que je ne peux plus poser les pièges de roc. Donc, bah, il peut revenir quand il veut, même s'il a très très peu de points de vie. Et il va mettre son Corvallus. Là, pour le coup, la Ballombre fait vraiment mal et surtout va baisser la défense spéciale du Corvallus. Donc, du coup, il va mourir. Il va mettre son propre fort ivoire. Je veux pas perdre mon mouchoir choix parce que s'il fait sabotage, après, son lance-saurien va dépasser toute ma team et il peut one-shot toute ma team. Donc, du coup, j'ai vraiment pas envie de ça. Donc, même si je suis terra cristallisé, j'ai plus de faiblesse au séisme, et ben je vais switcher sur mon Azumarill et je vais le laisser mourir. Et mon Azumarill va mourir sur séisme en arrivant sur le terrain. Derrière, je vais mettre mon pyro but et je suis en mode bon, je vais enlever les pièges de roc avec change côté et peut-être qu'il va essayer de tuer mon pyro but et qu'il va pas faire tout rapide et ce genre de trucs. En plus, ça enlève ma faiblesse sol de faire change côté vu que je prends le type normal avec libéraux. Il fait tout rapide, il anticipe le change côté. Du coup, bah, il joue plutôt très bien. Je fais un ballon brûlant pour l'affaiblir un peu, mais comme j'ai plus le stab feu, il prend vraiment zéro dégâts. Donc, je vais spammer ballon brûlant pour affaiblir au maximum le fort ivoire. Mais derrière, je lui fais pas beaucoup de dégâts. Mon but étant de le mettre à portée de kill de mon gros magot. Une fois que mon pyrobut est mort sur son fort ivoire, je vais mettre mon miascarade pour le menacer avec mon attaque plante. Mais je fais demi-tour en anticipant le switch. Et miracle, à ce moment-là, ça remarche. Vous pouvez repartir sur le match. Désolé du petit problème. Ok. Ok, c'est bon. Ok.
C'est bon, ça marche. Ok, on va commencer à mettre des kills avec Gros Mago maintenant. C'est parti. Ah si, en plus, j'ai déjà terrain. Hein. Ok, allez. Il est obligé de commencer à laisser mourir des Pokémon. Là, il a plus le choix. En vrai, c'est dommage parce que la game était vraiment serrée. Hein. J'ai paniqué, j'ai fait beaucoup de mauvais play parce que j'étais en train d'essayer de réparer mon stream, c'est dommage. C'est bon, c'est bon. On a perdu combien de viewers? Allez. C'est pas grave, c'est pas grave. Je fais pas ça pour les vues, je fais ça pour la strat. Donc, il est scarf, hein, Lansorien, donc du coup, je sais que je le dépasse à 100%. Il met son fort ivoire. Il va commencer à laisser mourir ses Pokémon, là, ça c'est bien pour moi. Ok. Non, je joue pas Explofort, je joue Terra Explosion Combat. Ok, donc là, il y a Surf qui peut arriver, évidemment. Je peux laisser mourir Pépé Manga qui se fait dépasser et one-shot par absolument tout, je pense. En vrai, il me tue jamais avec Surf, hein. Il me tue jamais avec Surf. Je pense pas qu'il me tue avec Surf, hein. Il a protéin, il a pas... Il aurait été orange, j'aurais dit danger, mais là, ça va. Ok, et ben je crois que je sweep avec mon Pokémon, trop bien. GG. Moins 100, oh, ça va, Osef. Bon, c'est bon, vous êtes fidèle, vous êtes gentil. Allez, et du coup, il va mettre son Lansorien, c'est son dernier Pokémon. Et du coup, je le dépasse, je le bats l'ombre, il est mort. Je suis max vitesse, Gros Mago. Je suis plus rapide que lui. Hop là, vive le mouchoir choix. Et ça a été un sweep, du coup, de notre ami Gros Mago. Ça a été assez cool, en vrai, comme match. Le match était vraiment cool. Dommage que vous ayez raté 4 tours. C'est des tours où j'ai très mal joué. Donc, du coup, en vrai, j'aurais sans doute pu mieux le gérer, hein, je vous avoue, ce match. Mais c'est pas grave, l'important c'est qu'on kiffe.